Gare de Montfort-le-Génois ce matin, vers 7 heures, un jeune homme de 18 ans a trouvé la mort. Originaire de Saint-Ouen-en-Belin, il rentrait chez lui accompagné de 3 amis après une soirée d'anniversaire. On sait qu'ils ont quitté la fête au petit matin, qu'ils avaient l'intention de repartir vers Le Mans pour ensuite regagner leur domicile. Un train se trouvait arrêté en gare, donc on peut penser qu'ils souhaitaient monter à bord de ce train. Et c'est en traversant les voies qu'un d'entre eux a été percuté par un autre train qui arrivait en sens inverse. La victime est décédée sur le coup. Pour la gendarmerie, aucun doute, il s'agit d'un accident. Sur les hypothèses, c'est clairement accidentel, hein, puisque ça s'est fait en présence de témoins. Soit il n'a pas vu le train, soit il a mal estimé la vitesse, et ce qui serait à l'origine de cet accident. Sur les lignes Paris-Pays de la Loire et Paris-Bretagne, une vingtaine de TGV ont été bloqués ou détournés dans les deux sens entre 7h et 9h, entraînant parfois jusqu'à 2h de retard. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer avec précision les causes de l'accident.